Les Fables de la Fontaine, Livre premier, La Besace. Jupiter dit un jour Que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il peut le déclarer sans peur. Je mettrai remède de la chose. Venez, singe, parlez le premier, et pour cause. Voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait Moi, dit-il, pourquoi non N'ai-je pas quatre pieds aussi bien que les autres Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort, glosa sur l'éléphant, dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles. Que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant, étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il jugea qu'à son appétit, Dame baleine était trop grosse. Dame fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin. Les renvoya s'étant censurés tous, du reste, content d'eux. Mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous, nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil qu'on ne voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa Beux-Assis, tous ceux de même manière, tant ceux du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui.